Et salut à tous, c'est Cube Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la survie Minikube. Et aujourd'hui on se retrouve pour les combats Thunder Dragon. Et oui, les voilà, enfin, on les attendait depuis un bon petit moment. Et donc on va commencer tout de suite, hein. Je vais pas vous faire retarder tout ça. Alors, je sais pas si je suis assez grand, mon bonhomme n'est pas assez grand. Alors j'ai dû, désolé, enlever les blocs, hein. C'est un peu moche, mais bon. C'est que l'Under Dragon casse tous les blocs. J'ai dû du coup enlever certains. J'avais fait des tests en créatif du coup. Et j'ai fait des tests. Et il y a certains blocs qui l'enlèvent, l'Under Dragon. Du coup c'est. Alors. Ce n'était pas prévu. On va aller le chercher. Ah là là, les petits retards comme ça, c'est pas très grave. Donc en fait le. Le dragon casse les blocs de décoration, surtout les piliers et le truc qui fait les cristaux qui font spawn le dragon. Il rase un peu la zone aux alentours. L'œuf il doit pas être très loin, hein, il est au spawn. Si j'arrive à le retrouver. Alors par contre, faut vraiment pas que je le perde. Hein. Parce que je vous rappelle que c'est le seul item qui peut faire réapparaître le nord. Si par contre je l'ai perdu, j'ai trop le seum. Où est-il? Il devrait être par là. Je suis censé le voir. Ça serait très ironique que l'œuf soit à la main du truc. Ah, il est peut-être là-haut. Je sais pas, non, non, je pense pas qu'il fasse tomber les items d'Ossio. Oh, zut. Par contre, j'ai trop le seum si je perds l'œuf. Où est l'œuf? Eh ben, le gros fail, hein. Ah oh, zut alors. Comment ça se fait que les items tombent dans le portail? C'est chiant ça. Oh, non. Ah oh, mais non. Me dis pas que l'œuf est vraiment perdu. Oh bah si l'œuf est vraiment perdu. Bah, je sais pas quoi dire. J'avais pas prévu du tout ça. Ah zut. Je quitte. Je vais essayer de retrouver l'œuf. A tout de suite. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé l'œuf. Il est sur une copie. Je l'ai trouvé dans une copie en créatif. J'avais raison, il est en haut. Donc sinon j'aurais cherché pendant une éternité en bas et ça se trouve le temps que je le retrouve, il aurait despawn. Donc en fait non, c'est bon, il est en haut. Donc normalement on est censé bientôt le voir. Il est juste là normalement. Là, il est là. Oh là là. Plus de frayeur que de qu'autre chose. Oh, punaise. Oh la vache, c'est bon, on l'a retrouvé. Ouh, la frayeur. Oh, vous imaginez si on avait si j'avais vraiment perdu l'œuf et qu'il aurait despawn. On n'aurait plus jamais pu recombattre un Enderdragon. Bon, cette fois-ci, je vais faire attention. Oh là 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 là, la crainte que j'ai eue pendant 10 secondes, là, je me suis dit, non, j'ai pas perdu l'œuf, dis-moi pas ça. C'est bon. Donc, là, franchement, une sueur froide. Hein. Ouh, mais c'est un peu chiant que ça fasse un, par rapport aux items, que ça le mette en. Tout à l'heure en plus pour la vanne je disais c'est peut-être en haut. Et bah c'était vraiment en haut. Ok. Bon.
Alors, on va essayer de faire des succès, hein, parce que j'ai un succès, j'ai deux succès à faire. J'ai Combattre le Nord-Dragon une deuxième fois, c'est-à-dire fin bis. Et du coup, j'ai regardé le Nord-Dragon dans la longue vue, j'allais dire le télescope. Aucun rapport. Ok. Je vais même prendre le bloc de terre. Là, vous avez vu, j'ai pris toutes mes précautions maintenant. On va pas se faire ça une deuxième fois. Hop, donc. Alors pour ceux qui connaissent pas l'invocation de la normalement, c'est super simple. Un cristallin. Un cristallin. Un cristallin. Et un cristallin. Donc là, ça va faire du coup un joli rayon qui va faire réapparaître tous les cristaux du dragon et même les piliers des trucs. Oh zut, j'ai regardé un Enderman. Donc regardez. Ah oh, zut, si on l'a vu. Vous avez vu, le pilier il a réapparu. Oh mince, ça a même détruit là. Zut. Donc ça a détruit tout le chemin que j'avais fait. Ah oh, voilà, voilà le dragon. Aïe. Du coup, on va sortir la longue vue. Oula. Il est où? Le méchant. Je sais pas où il est. Ah là. Il y a un autre œuf. Ah. Aïe. Vous avez vu, il y avait un autre œuf? Il est là. C'est bon, je l'ai tapé. Il est où l'œuf? Ça se trouve, on peut avoir. Oh, il y a un autre œuf! Ça se trouve, je peux avoir des œufs à l'infini. Ah, zut. Attention, on va faire gaffe, on va faire gaffe. Fin bis, ok. Donc, déjà un succès. Attendez, ah, on va aller le tuer parce que hein, il m'enquiquine un peu. Voilà. On va éviter de mourir. Ok, c'est bon. Donc on aura juste un peu à casser le bloc au-dessus de. En dessous de l'œuf, l'autre œuf. Aïe, 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 aïe. Ouf. Ok, c'est bon. On lui fait mal, hein, on lui fait mal. Ok, c'est bon. On a encore l'œuf. Vous avez vu, il a tout abîmé au niveau du truc, toute la déco que j'avais faite. Ok. Ok. Non, j'ai pas eu. Je l'ai eu. Aïe, 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 aïe. Oh la vache, il a cassé mes trucs. Oh punaise. Oh, en plus, les Enderman qui enquiquinent. Ah zut. C'est vachement plus dur tout seul, hein, le dragon.
essaye de faire le succès. Oh, c'est chiant ça, les Enderman. Il y en a trop. Ouais. Hey. Voilà. Désolé si je parle pas trop. C'est Régène, ce méchant. Sérieux. Ah, c'est chiant, c'est long. En plus, il se régène. Ah, voilà. Ah, 2 secondes, je reviens. Me revoilà. Oh la vache, il a encore tout détruit ce méchant. Encore les cristaux. Oh, touché. Oh là là. Il veut pas arrêter de se régénérer et venir se battre. J'ai peut-être une idée, mais j'ai peur qu'il casse tout. Alors c'est peut-être une mauvaise idée du coup. Oh là 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 là, c'est chiant les Enderman. Et les écritures aussi, elles sont chiantes. Parce que du coup, quand je change très rapidement. Ah, mais j'arrive pas à la toucher.
Oh là là, là, là. C'est long, mais c'est long, mais c'est long. J'ai une idée. Me décide enfin à aller monter sur les piliers. Allez, c'est parti. Je crois qu'on n'aura jamais vu un combat contre le dragon. Oh le rattrapage. Oh zut, je suis tombé. Oh mais... Maudit Enderman. Ah oui, en passant, je me suis acheté des carottes dorées grâce aux villageois, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Ah. Doucement. Bon bah le prochain dragon se fera dans le prochain épisode. Oh punaise. C'est bon. Oh là là. Monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Ah, sérieux? Deux, trois blocs près. Ok, donc là maintenant ça va être un peu plus simple. Ouais, ok. Ah, mais ça se vise où ce truc? À chaque fois je sais pas. Ah, voilà, ok. Ah, je l'ai eu. Ah, j'essaie de le toucher. Ah, c'est bon! Enfin! Ah! Bouge! Ouais, par contre, ceux-là, je suis pas sûr de les toucher, hein. Ah! Il a mis des particules! Ah! C'est bon! Descends! Ah, bougez de là, vous. Ouais. Punaise d'Underman. Sérieux, vraiment, c'est trop chiant, les Underman. Quelle invention! Viens là si tu l'oses. Je vais pas péter tous les piliers juste pour que tu viennes. Si? Sérieux? Ah mais bouge! Trop chiant, sérieux. Casse-pied. Ah mais toi aussi. En fait, c'est plus les Undermen qui m'empêchent de tuer l'Underdragon. En vrai, l'Underdragon en soi, c'est vrai que c'est plutôt simple, c'est juste qu'il est long. Il est long, mais il est long.
Surtout celui de Bedrock Edition, il est très très long. Je crois qu'il a plus de vie que de base. M'a réveillé là-bas, là. La balle. J'ai pas de tenir à l'arc. Tu veux bien arrêter de te régène? Je descends ta vie, pas pour que tu te régènes. Ah. Non! Redescends! Redescends! Il est sérieux? Non, mais j'étais sur la ligne droite. Ah mais... Oh non, il allait se poser. Ah, il va se poser. Je sais pas. Mais il fait des actions cheloues. Je vais devoir péter les autres piliers. Bon, vraiment, ce Thunder Dragon est très long. En plus, il m'a tout cassé. Bon, je vais pas réparer tout parce que... Le problème, c'est qu'ils vont répéter tout. Alors, si je répare tout, ça servira à rien. Désolé, je prends un peu beaucoup de bloc parce que ça va être long. Long, mais de chez long. Voilà. Pareil, c'est les blocs. Ok. Where is le dernier pilier? Là. Donc, déjà de 1. Et le deuxième, il est là. Voilà. J'aurais dû aller à lui qui était le plus proche. Ah, vous me saoulez, c'est normal. Ah, il a pratiquement tout régène, ce méchant. Ouais. Essayons de ne pas se faire pousser cette fois-ci. J'ai pas le temps. Voilà. On se dépêche. Avec sa zone là, ça fait trop de dégâts en plus. Ah non, un source d'eau, c'est bon. Enfin, pas de trigène. Descends maintenant, t'as plus d'endroit pour trigène. Allez, on est à la fin. Viens. Viens affronter ton destin. Simple Under Dragon. Bon, par contre, là, ça va vite descendre. Hein. Ah là là, ça va très très vite descendre. Allez, viens, arrête de fuir, s'il te plaît. Ah, enfin! Allez, 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 allez! Non! Dégage! Non! Non, enfin, je disais pas ça! Underman! Sérieux, non mais vraiment, c'est trop chiant! Il jette à la fin! Les Underman, ça m'attaque! Chiant! Allez, viens, s'il te plaît! Allez, viens! Fais pas de chichi. Dommage qu'en plus ces trucs-là, on peut pas les repousser là, les trucs violets.
l'Enderball ou je sais plus quoi là. Enfin, allez, voilà, c'est bon, on a la fin. Ah bah voilà. Hop là. L'XP. Venez par là, l'XP. Bah, j'aurais juste allé au spawn. Qu'est-ce que je peux réparer? Normalement, il est censé du coup avoir un nouveau portail. Oh, zut. Un nouveau portail qui est apparu. Ouais! Il y a un bug de duplication! Ah! Oh, en plus, l'œuf est cassé. Donc, normalement, il est censé avoir été ouvert un nouveau portail. Et le voilà, on le voit là-bas. Donc là-bas, il y a un nouveau portail où ça emmène encore aux Zeitra. Du coup, on pourra faire encore de l'exploration intense. Moi, par contre, je vais aller récupérer l'XP parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Oui, je sais, l'XP. Par contre, truc très étonnant, l'œuf de l'Under Dragon s'est dupliqué. Du coup, on n'a pas qu'un, mais deux Under Dragons. Enfin. Œuf d'Under Dragon. Il doit être en haut. Même l'XP, elle doit être là-haut. On a deux œufs d'Under Dragon! C'est incroyable. On a deux œufs d'Under Dragon. C'est vraiment génial. Je pensais pas que. C'est bugué. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais très clairement, deux œufs d'Under Dragon. Donc le prochain Ender Dragon aura. Voilà. Je crois que c'est un bug de dupli, hein. C'est censé faire ça? Je sais pas si c'est censé vraiment genre. Ah, je sais pas. Donc dès le prochain épisode, on combattra l'autre Ender Dragon. Donc vraiment, soyez pressés de voir ça, mais il arrivera très bientôt normalement. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. En plus on est level 71. Prochain Ender Dragon 72, 13, 14. Il y a moyen. Parce que plus on combat un Ender Dragon, moins il drop d'XP. C'est pour ça que j'avais très hâte de faire le fin bis. On a fait le fin bis. Un succès que j'adore. Allez, ciao ciao.